Je suis Passepartout. Salut, salut tout le monde, aujourd'hui pour la suite d'aventure de Passepartout, le schizophrène à Cyrodiil. On va parler avec Dumbledore. Le conseil retient toute mon attention en ce moment. J'aurai besoin de vous sous peu. J'ai besoin de plus de temps. Ok, alors on va aller voir Raminus. Voilà, salut. Raminus. Bonjour. Salut. Vous n'êtes pas encore... D'accord. Vous êtes à présent sous les ordres de l'archimage Traven. Allez le voir si vous ne savez pas ce que vous devez faire. Mais putain, avant il m'a dit qu'il avait rien pour moi, ce fils de pute. Oh, Dumbledore, ça va pas aller comme ça, hein. C'est un plaisir de vous voir. Le conseil est en plein désarroi, depuis qu'il est au courant de la présence de Manny Marco à Cyrodiil. Il est évident que le roi des Verts vise la guilde. Mais nous ignorons pourquoi. Aucune demande n'a été faite. Je consacre toute mon énergie au conseil. Nous devons discerner la raison de cette attaque soudaine et arrêter Manny Marco avant qu'il nous détruise tous. Je ne suis pas en mesure d'étudier de plus près quelque chose qui m'a été signalé. Pouvez-vous y aller à ma place ? Il n'y a pas de problème, je peux aller à ta place, Dumbledore. Bien. S'il vous plaît, allez à Bruma. Je n'ai pas de nouvelles de Jeanne Frazoric depuis quelques jours, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Même si je ne suis pas mécontent de cette pause dans notre correspondance, je me fais du souci pour elle, vu les derniers événements. Vérifiez si Jeanne va bien. Et faites-moi savoir si elle a besoin de quoi que ce soit. Venez me voir. Ah, la petite Jeanne, je me rappelle. Ça là, je m'étais tapé. Bonjour. Vous vous rappelez ou pas? Jeanne! Au secours! Et de retour dans la petite ville de Bruma, ça fait plaisir de revenir ici. C'est la ville de Bas de l'Éclair, pétain, du vrai poteau, du frangin qui me reste, le seul d'ailleurs, pitié. Ah, petite Jeanne, ça va faire plaisir de la revoir. Pitié. Je suis arrivé à la guilde des mages de Bruma. On dirait que la guilde a été attaquée. Je veux s'il y a des survivants. Oh putain, c'est fou. Selena, je sais même plus qui c'est cette meuf. Oh putain, des fantômes. Des spectres. Putain, putain, ma force. Putain, il m'a tenu tous ces fils d'épée. Putain. Connard! On devra aller prier. Tiens, sale pute! Casse-toi! Bordel! Les esprits vengeurs sont venus pour nous massacrer, ces connards! Eh, c'est ça, moi je pense que j'en ai. Je pense pas que j'en ai. Et dans quoi? Oh putain! Culé quoi! Ça parlait là. Eh, y a une voix féminine qui m'a dit attention, hein, j'ai pas rêvé, je suis pas foufou, hein. Oh. Ah, mais lui, c'était celui-là qui a fait la blague. Varanaro, putain. Non, c'était un poteau, lui aussi. Et la personne qui a envie ou quoi? Putain, faut les tuer vite vite avant qu'ils arrivent, ces fils de chien. Tiens, prends ça, petit bâtard. Putain, encore une fois, ils m'ont encore attiré mon audience, ces fils de connard. Putain, mais qui a voulu m'enculer, ce bâtard? Il m'a enculé à sec. Putain, crève. Pas vrai, ça. Ah, mais il y en a encore plein. Bordel. Ils arrivent, c'est les Nazgûl. Foutu Nazgûl. Et tire-toi, connard. Putain, c'est la folie, bordel de merde. Eh là, les mangements, ils ont fait un gros coup là, ces bâtards. Je te jure. Des choses qu'on pourra pas assumer. Y'a personne qui a envie ou quoi? Ah, c'est pas possible, ils avons tous tués. Putain, c'est un truc de faux!
que vous soyez. Eh bien, qu'avons-nous là? Un visiteur? Je crains que vous n'ayez manqué la fête. L'invité d'honneur est déjà parti. Mais vous n'allez pas nous quitter. Je m'en occupe dès maintenant. Ah, tu te bats, Camilla. Et voilà! Petit coup de doigt sous les aisselles. Et Camilla, elle fait moi la maline, sale pute! Et est-ce qu'ils sont partis? J'avais trop peur. Je ne pouvais pas bouger. Je pouvais entendre les hurlements, mais je n'arrivais pas à bouger. Il les a tous tués. Il les a massacrés. J'ai vu son visage. J'ai vu le roi des vers. Eh, t'as vu Voldemort? À quoi il ressemble, Voldemort? Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Je crois que la seule raison pour laquelle je suis encore en vie, c'est que j'étais invisible. Mais même comme ça, je pense qu'il m'a vu. Il les a tués un par un. Volanaro a été le dernier, je crois. Il a essayé de s'échapper, mais il n'a pas réussi, n'est-ce pas? Le roi des vers s'est dressé au-dessus de lui, juste avant qu'il meure, et... Oh, on aurait dit qu'il aspirait l'âme de Volanaro. Il a mentionné la grotte de l'écho et a parlé de détruire la guilde des mages. Puis il m'a regardé droit dans les yeux avec un sourire cruel. Vous devez faire quelque chose. Il faut que vous le disiez à l'archimage Draven. Il reviendra peut-être s'il sait que je suis encore là. Je ne veux pas rester ici. Je vais aller à la cité impériale. Hannibal Draven peut me protéger. Ouais, vaut mieux que tu te casses, poteau. Vous n'êtes pas en sécurité. Eh, j'ai dit, c'est le seul qui reste. Putain, il a tué Jeanne. Avant qu'il ne revienne. Eh, peut-être que son corps, il est encore chaud. Ah, ça y est, casse-toi. Je m'occupais d'elle, moi. A tout de suite. J'ai entendu dire. Bande de retour dans le bureau du proviseur Dumbledore. On va lui parler. Des nouvelles de Jeanne à Bruma? Ouais. C'est le seul survivant? C'est pire que je craignais. D'après ce qu'il vous a dit, Manny Marco, le roi des vers, se trouve ici, à Cyrodiil, et s'attaque à notre guilde. Je n'aurais jamais pu imaginer cela. Nous aurons besoin de quelques jours pour digérer cette nouvelle. Si Jisker arrive, nous veillerons à ce que l'on s'occupe bien de lui. Merci. Ok, maintenant vous faites la montée au pied pour me dire que je vais être promu. Bah c'est parti, Ramilus. Bonjour. Progression. Vous êtes vraiment un atout pour la guilde. Je vous récompense en vous élevant au rang de mage et vous enseigne un sort des plus puissants. À bientôt. Merci, frangère. Fureur du magicien. Et on peut le lancer. C'est faux. Alors, les suivants, c'est direct. On peut le lancer, ce bâtard de sort. Vas-y, on le met là, direct. Comme ça. Ah, pas toi, je m'en bats les couilles de cette merde. Mais putain! Moi je veux ça! Voilà! Connard! Je te gère! On est passé quoi alors? Eh, on est magicien maintenant! Putain! Ça c'est génial ça! Bon, sur ce les amis, on se dit à demain! Bonne soirée! Ciao!